Quand on parle, parfois il est très difficile de prononcer beaucoup de R dans une phrase, même pour un francophone. Alors très souvent, dans le langage parlé, on remplace le futur simple par le futur proche ou le futur immédiat. Au lieu de dire « je préparerai », on peut dire « je vais préparer », ce qui est plus facile à prononcer, n'est-ce pas? La formation du futur proche est assez simple. Nous prenons le verbe « aller » au présent et nous y ajoutons un infinitif du verbe conjugué. Il n'y a pas d'exception. « Je vais recevoir ce colis demain » vais, le verbe aller au présent, et recevoir, l'infinitif. Encore un exemple, nous allons dîner avec toi. Je souligne encore une fois que le futur proche peut remplacer le futur simple, surtout dans le langage parlé et dans les textes informels. Quand vous écrivez, il vaut mieux utiliser le futur simple, et évidemment, vous pouvez toujours utiliser le futur simple à l'oral.